Alors j'ai pas, je vais vérifier en direct, j'ai pas, j'ai rebranché la manette mais j'ai pas vu si ça fonctionnait. Bonjour le baron, j'espère que tu vas bien, merci à toi d'être là. J'essaie de bien gérer mon direct. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit qu'il y a un truc recommandé pour la sécurité Windows. Oh bah je verrai ça tout à l'heure. J'ai pas le bon jeu à l'écran. Attendez, ah mais non mais là je... Ah je peux faire une pub à Dragon Sky qui est venu nous faire un coucou tout à l'heure, qui est un garçon adorable. Mais il faudrait que je le fasse sous forme de shout-out de Twitch là. Mon cerveau me dit de cliquer sur Spelunky qu'on n'a pas fait depuis un petit bout de temps. Je vois tous les autres jeux que je vous ai fait auparavant qui viennent d'apparaître dans la liste. Ouais, ça a un petit bout de temps qu'on n'a pas joué à Spelunky. Incroyable, mais vrai. Et ma manette, elle est devant moi. C'est bien. Ça peut aider. Ça peut aider. Ah. Merde, démarrage rapide, c'est X. Voilà. Concentration. J'ai déjà un gros doute. Est-ce que j'ai démarré l'enregistrement? Oui, je le vois d'ici, c'est bien. Ah, si je sélectionne pas le truc, il m'envoie paître. D'accord, ok. Pour le jeu qui est... Ric-rac. Ah, oh, ça commence déjà très très vilain. D'ailleurs, tout ça pour ça, pardon, mais... Ah merde. Allez, on est fou, je cherche à me faire tuer. C'est ce qu'on appelle un faux départ. Mais mais c'est pas possible. Là, je commets des erreurs de débutant graves. Je vais réussir à moteur diesel. Là, je démarre de manière molle. Scandaleux. Y a quoi là-dedans? Regardez la tunache, comme d'habitude. En fait, ce que j'ai fait est pas bien. Jeter une pierre sur une jarre qui vous fait face est dangereux. S'il y a une merdouille dedans, ça vous saute dessus et... Je suis fou, allez, pour la thune. Pour la thune! Pour la gloire de la thune. Ah oui, là, c'est rentable. Je voyais pas tout, mais c'est rentable. Je pensais faire gicler la jarre, mais c'est... j'ai merdé. Oui, moi ça va bien le baron. Bah, j'ai un peu de fatigue. Mais rien d'anormal. Non, sinon je vais fort bien, merci le baron. C'est bien que t'aies la santé toi aussi, c'est le plus important. Puis commande dans la mauvaise saison, là, faut être prudent. Faut être prudent. Sinon, on l'a dans les dents. Bah. Si, je peux me barrer là-bas. Merde! J'avais pas vu la chauve-souris! La chauve-souris, c'est pas la chance qui me sourit. Et j'ai merdé. Je ne sais. Ah! Deuxième service. Allez, viens par ici, vilaine! Vilaine! Et j'entends la bombe, mais je ne la vois pas encore. Alors, je rappelle pour ceux qui connaissent pas le jeu, on gagne une vie supplémentaire par niveau. Dès qu'on sauve la blonde peut prendre trois formes. Une charmante demoiselle, un beau mec, un beau gosse, ou un chien, du genre bulldog, mais tout gentil qui vous fait des léchouilles. La vache. Merde! Oh non, je voulais la balancer sur l'araignée et je me suis assommé avec la propre, ma propre flèche. C'est nul. Oui, non, là, c'est la merde, là. Non, mais là, non, mais je suis foutu. Terminé. Hum, hum, hum.
Il faut que les bons réflexes et les bonnes analyses reviennent. Là, c'est pas le cas. Je vous fais tout ce qu'il faut pas faire. Gishge. Ah, cette configuration a le mérite d'être intéressante. C'est même quelque part troublant. Et le fantôme de la muerte qui... Oh, c'est chiant ça. Qui arrive au bout de 2 minutes 30. Et s'il vous touche, vous êtes mort. Mais mort, vous perdez toutes vos vies, quoi. La partie est finie. Merdoum, j'ai mal lu le truc. Eh ben, bien fait pour ma gueule. J'espère que j'ai des bombes là. Non, j'ai un parachute pas doré. Non, on n'entend plus parler des parachutes dorés. Ouais, je crois que c'est interdit par la loi maintenant. Enfin, théoriquement. Mais non, c'est un parachute simple. J'ai un petit bonus, un petit joker si je dévisse dans un grand précipice. Je me fracasse pas en contrebas. C'est ça ce que je viens de récolter. Bon bah pas de monde, tant pis. Bon, je passe au moins un niveau. Sans la blonde. Allez, on y croit. On rentre dans une routine de vainqueur. Le mec il parle comme s'il avait un coach anti-dépression. Ah, il a faux du serpent. C'est un clin d'œil à Indiana Jones. J'aime pas cette araignée parce qu'elle est au bord du précipice, donc faut vite sauter. Oh, c'est chiant. Ah ! Et ben voilà, vous voyez, je suis tombé dans... Aïe ! Dans la fosse aux serpents, pas aux araignées, vilaine. Va mourir, toi. Oh merde, non, attends, faut pas que je descende, il y a un truc. Il y a un piège. Il y a un piège du démon. Et il y a du fric. Il y a du loot, comme pourrait dire un certain fun fan. On n'y résiste pas. Je sais pas. Merde! Oh, je joue trop mal! Non, mais non, mais non, mais va mourir. Non, mais là, je fais de la mouise. Oh, lamentable ce que je vous fais. Je suis tristesse et désolation. Oula. Oh non, c'est dégueulasse. Le jeu. Ouais, bon. Ah, j'ai entendu le bon dîner. C'était plutôt masculin, comme... Hey, il doit être en bas, je crois. Ouais, il est là, le bon dîner. On l'a vu. Alors, le gérer, ça va être... Oh là là, mais c'est quoi ce puissant fond? C'est pire qu'un Prince of Persia. Non mais vous déconnez là dans le jeu, non mais c'est pas possible. Eh ben dis donc, j'aime pas la configuration des lieux. Hop là. Louis, attrape le caillou. Oui. Oh, deux pour le prix d'un, c'est beau. Ça par contre c'est chaud. Ouais. D'ailleurs, hop là, comme ça il n'y a plus de pique. Ah, alors. De l'intérêt du caillou. Je veux la jarre qui cache quoi? Une émeraude taillée de grand prix. Alors, monsieur Bogosh, qu'est-ce que vous faites là? Je crois que vous pouvez laisser tomber. Laissez-vous chuter. C'est gagné. Et là, je vais me barrer. Excusez-moi. Tout ça pour constater qu'il y a une caisse en dessous de matos et je vais pas m'en priver. Ah oui, surtout que c'est des synchro-saintes bombes que j'aime. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Normalement. Vive le loot, dit le baron. Ah ouais. Non mais ce qui est génial dans le jeu, c'est quand vous avez une vingtaine de bombes. Wouh! Eh non, petit Edge, t'es un malin.
Ouais, t'auras essayé. Esti filou DJ. Pense bien que la commande est réservée à l'administration. Oui, en quelque sorte. À la modération. En fait, toutes mes commandes que je préfixe d'un astérix, l'étoile, c'est ce qui est réservé à la modération, c'est pour la codice de la chaîne. Attends, il y en a un qui s'est déclenché. Ah si, le deuxième s'est déjà déclenché. La flèche est brisée. Ah, j'arrive pas à voir si ça vaut le coup d'aller là. Parce que il faudra que j'en revienne en brisant. En faisant usage d'une corde. Alors. À mon niveau, je suis pas chaud. C'est là où je vais voir que la blonde était au-dessus et je vais être deg. Merde. Ah ! La blonde était au-dessus. Merde, ça va le coup d'y aller. Ah, merdoum ! Puis là, je pense pas que ce soit dans la toile si je mets la bombe, si ça va être cool. Ah, si elle est en haut, peut-être. Oh oui ! Ça marche ! Ah merde ! Non, il me faut une corde quand même. Putain, c'est trop haut. Ah, dommage. Mais non, là, le gain est énorme, rien que pour ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de caisse. Qu'est-ce que... J'ai failli faire une chute de ma boule. Alors, la sortie est par où? Ça sent le... Non, c'est bon. Oh, il y a un marchand en bas, j'ai vu une lupiote. Ah, il y a une caisse de matos. Mais merde, elle est où la sortie? Sérieusement? Par là? Pardon, désolé le chien. Mais... ah oui, la sortie est par là et vend des bombes. Oh! Il va me plaire. Par contre, je mets trop de temps, je vais avoir le fantôme de mes deux. Je vais avoir le fantôme de mes deux. Je veux un max de matos, ça va me coûter cher. Le fantôme va se pointer, je vais être dans la mouise. Oui, des bombes, et je vais en acheter, je suis fou. Voilà, le v'là. Vous avez des frissons dans le dos, c'est le fantôme qui se pointe. Mais c'est la molle qui t'a assassiné, Mathias, il faut que j'augmente le rythme. Sinon, c'est moi qui est trépasse. Alors... bon, bon, merci, au revoir monsieur le marchand, et je me barre. Bonjour Tomouf. Bonjour Tomouf, comment que ça va Tomouf? Ni nous tout. Non, j'espère vraiment que tu vas bien Tomouf. Merci à toi d'être là. Je suis mon foufou. Merde, oh mince. Oh, je déteste les téléphones. Je viens de faire un mauvais mouvement de pouce sur mon téléphone. Et j'ai viré un truc. Bon, sûrement qu'ils n'ont rien à péter parce que je l'ai pas lu, mais. Enfin, bref. Mais ça me bouffe. Les téléphones, c'est la forme d'ordi que je déteste. Une boussole à gagner. Ah. Oh, des joyaux, les galères. Je joue ou je joue? Allez, on joue un coup. Et en bas, il y a quoi? Un peu de tunasse. Oh, j'ai gagné le double de ma mise. Mais si, monsieur... J'ai gagné. Oh, merde. Là, j'ai perdu. La chauve-souris va être chiante. La chauve-souris va être chiante. Tu peux le faire. Tu peux pas le faire. Tu peux. Oh là là, j'ai eu très très chaud. Oh oh oh. Surpris de pas avoir déclenché la chauve-souris d'ailleurs. Salopard, évidemment ils m'ont foutu un diadème intéressant. Ce qui me fera perdre du temps. Le scorpion, je l'avais pas vu. Oh non.
Il y a une blonde, Ouh là, une grosse araignée. Va mourir. J'aime pas du tout cette config de mort. Alors maintenant que j'ai des bombes, j'en profite. Parce que le coup de la... Du pic, non merci. Je la sens pas. Là, il y a quelque chose de bien ou... Oh oui. Il y a de la thunes. Tant pis pour la blonde. Pas ouf aujourd'hui, quelques soucis de santé. Ah merde. Ah bah prends soin de toi, Tomouf. Au moins, je te souhaite de pouvoir rester au chaud chez toi ce week-end. Que tu puisses au moins, voilà, reprendre de l'énergie. Merci pour le clip, Tomouf. Ah, Aeroster qui se lance dans la suite d'Elden Ring. Sacré aéro. Il a bien raison. J'entends des bruits devant chez moi. Je sens que c'est mes voisins qui font n'importe quoi. Ça me rend toujours nerveux. Oh la vache. C'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse que je vais prendre. Voilà, je vais bénéficier de ma corde, faire sauter le truc et me barrer. Ouais. Ouais, joli. Oh. Ah. Merde, j'ai pas de vite le rocher. Ah. Oh. Oh, merde. Il y a la grosse araignée. Non, merde, dommage. Ah, merde. Merde. Elle va me hanter. Je l'ai eu. Oh, magnifique. Oh, c'était beau. C'était beau, c'était chaud. J'ai des bombes mais pas de cordes. Je crois que ça va être la Discord. Oui, moi ça va. J'ai un peu de fatigue, mais je reprends du poil de la bête en étant avec vous. Sinon, dans le sens, ça va. Merci, Tomouf. Non, je suis toujours en joie d'être avec vous. Je me ressource et je me régénère. Je suis un crétin. Voilà. J'aurais jamais dû faire ça. Jamais. Bon. Et ben, ce qui est fait est fait. On commence. C'est la pauvreté ou il y a quelque chose derrière? Ah, c'est terrible. Quand on voit pas tout l'écran, ça rend fou. Ça rend fou. Ah, vilaine. J'ai à payer pour des lingots. Pour des lingotes. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que cette configuration de la mort? Que j'ai envie de tenter. Allez, soyons fous, nous sommes joueurs aujourd'hui. Nous sommes joueurs. Touk. Touk. Non, j'ai loupé mon truc. Ouais, mais là ça va faire boum. Non? Violence! Nous sommes joueurs. Joli. Merde. Ils sont chantés. Hop là. Ah. Nul et non avenu, on a vu une cavité. Ah, est-ce que je peux avoir l'araignée en même temps? Non. Oh. Encore que elle est assez haute. Oh, joli. Oh, les caisses, c'est trop tentant. Oh bah c'est pas comme s'il y avait la sortie à la blonde. Ça s'appelle la totale chez nous. J'aime tout. Alors, des cordes. Ouais, bon, je suis pas fan des cordes. Oh, c'est pratique, mais que des cordes. J'aurais préféré que des bombes. C'est... Voilà. C'est... J'ai plus qu'une bombe en plus. Alors, stratégiquement, c'est dangereux dans le jeu de n'avoir qu'une seule bombe. Vaut mieux en avoir un minimum de 3.
Ça permet de mettre en place des stratégies voilà, d'évasion, de confort, etc. Et surtout le fait de pouvoir progresser, parce que ne plus avoir de bombes, vous vous exposez à être complètement coincé dans une cavité dans laquelle vous ne pourrez pas ressortir. Donc, je me mets en danger. En fait, dans le jeu, là, je suis en train de d'hypothéquer ma partie d'une certaine manière, et je peux tout perdre. Ah ! Je vois qu'il y a un vendeur. Oui ! Oui ! Ah ouais. 12 bombes, j'ai oui, marre. Qui est là ? Qui là, t'es qui ? Merde. Tequila. Oh là là, tequila. Para 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 papa. Oh là là. Para 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 papa. Oui, qui est là? Tabara para. Para para. Dum 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 dim. Oh là là. Oh là là, qui est là? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire. Ça c'est fait. J'attends que le truc se casse la figure. Ici, en bas. Très bien. Très bien. Ah. Oui. Ah oui. La blonde qui attend toute gentille. Ah. Bonjour, mademoiselle. Laissez-moi vous transporter. Bon. Ah, je vous laisserai le choix tout à l'heure. Je commence à avoir une hésitation du jeu suivant. Je vous avais dit Flat Apt 1, mais si ça vous dit, je ne serais pas contre un système. C'est officiel. Edge et Clove vient de trouver le métier de ses rêves. Il veut devenir pilote de chasse. Ah, pas non. Il m'a foutu les jetons presque. Bon, c'est pas comme si c'était l'intitulé de la commande, mais... Ou Stardew Valley. Stardew Valley, si vous voulez. Sachant qu'il faut que je fasse gaffe, Stardew Valley, c'est une partie qui dure 2 heures. Donc, si la famille me dédaigne à vouloir me donner à quelle heure je suis censé... Enfin, bref. Mais j'ai plus de message. C'est un mystère. Un de plus. Ah. Alors, j'en suis au 3ème sur 4 de ce monde de la main. Ah ah, lui il fait mauvaise main. Bon là j'ai perdu le caillou. C'était pour le prestige. Et toi tu vas mourir, voilà. Ah oh, c'est très bien que le scorpion soit là. Car... Oh non, ça c'est dégueulasse. Je rappelle que le jeu génère de manière aléatoire vilaine. Et là, c'est dégueulasse. Vraiment. Ah, ça, c'est délicieux. Oh, Cobra de mes deux, là. Hep, 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 monsieur Cobra, là, il va se calmer. Calmos, monsieur Cobra. Vous êtes un gros vilain, monsieur Cobra. Je serais tenté de déclencher la guerre. Rare. On est venu me chercher l'araignée. Ouh, il y a du monde ici en plus. Hop, je me cache là. Hop, voilà, je descends tout doucement. Alors, chauve-souris de mes deux. Merde. Merde, 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 saute. Ouais, c'est ça qui est bon. Je vais mettre la corde là et c'est la guerre. Voilà. Ah, ah non, merde. Oui, je l'ai oublié lui. Ah. Comment qu'on fait? Dites-moi qu'il est mort. Il est où? Au son, je crois qu'il est en bas. J'espère. Oui, il est en bas. Oh, je suis riche, 18 000. Alors, pour sauver ma peau, après... Merde, où est la sortie? Je veux pas mourir d'un coup de fusil. La sortie est là-bas. Oh, il a un scorpion, l'autre. Il est pas dans la mouise.
Eh ben cool. Alors le problème, en fait, là, vous voyez, je ferai une expérience sérieuse de jeu à essayer de finir le jeu. Il faut surtout pas offenser les marchands. Lui, même dans sa planque, complètement dans son trou perdu, c'est un marchand. Et il se passe le mot dans tous les niveaux. Donc, vous offensez un marchand, vous offensez toute la confédération des marchands. Et ils viennent vous chercher au fusil dans tous les niveaux, ce qui est la mort absolue. Le jeu devient injouable, en fait. Oh mon dieu. Il y a des tuelles à pistolet à eau, là. Oh là là. Ah, alors là, par contre... La configuration ne m'appelle pas... Je suis fou. Je suis fou, je suis Peldo. Je suis un voleur de trésors et je suis un trou du coup. Nous pouvons le dire. Est-ce que je pourrais... Non, je pourrais pas. J'allais dire, est-ce que je pouvais faire une corde où j'ai accès ensuite en haut, mais non. Parce que sinon, j'étais dans la trajectoire du boulet, donc c'est débile. Oui, je paierai pour mes crimes, oui, je sais. Attends, je veux surtout payer pour... voilà. Oula. Je veux surtout... J'y arriverai pas, c'est pas possible mon truc. C'est pas possible. Et voilà. Là. Je suis riche, mais je suis mort. Ou pas. J'ai un fusil. Attention au recul de l'arme qui est terrible. Dis donc, toi, tu vas mourir. Eh, hey, pas mal d'avoir le souris. D'avoir le fusil. Oh, j'ai cette fiche humide qui m'enquiquine depuis 15 mois. Elle est revenue. Là. Ah oui, la jungle. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Oden. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Techno. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Oden. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. Moi, j'en compose la techno, moi. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots, on est bon. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Oden. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. J'ai merdé mon saut. Eh ben je suis bien content, voyez, d'avoir des bambas. Parce que j'irai faire la bamba. Non mais... Cochonnerie de saleté, ils m'ont dépouillé. Ils ont vidé mes poches. Ah, j'ai un peu vidé l'eau, mais pas autant que ça. Alors, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Je sais pas. Putain, c'est dur. Oh la vache. Ah, la blonde est là. Le fait de pouvoir sauver une blonde n'est pas désagréable. C'est pas comme si c'était une garantie assurance vie. Merde, c'est le fusil que j'ai déposé alors que c'était une bombe que je voulais placer. C'est pas la même chose. Oh la vache. Alors, heureusement que l'eau amortit les débris de... Oh mon dieu. Oh oui, oh non. Je l'ai eu, je crois. Non, pas complètement. Pas complètement, mais... Oh merde. Il est armé. Il est dangereux. Salaud.
Alors, t'as une meilleure rente que moi pour la retraite? Hein, le retraité? Ah merde, il m'a buté. Il avait une assurance vie, c'est pour ça qu'il m'a eu. Mais je suis content. Je suis allé jusqu'à la jungle. J'allais dire jusqu'à la guerre. Ouais, une bonne guerre de vieux. Papy War, bientôt sur vos écrans. La 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 la. Bop. Ah oh. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas repéré la blonde, qui est un chien puisqu'on entend le supplice du chien. Elle me tue cette mythe. Elle me. Ah. Attention, je récupère les bijoux de diadème. Je récupère tout. Ah, c'est beau. Je dis oui. Alors, tant que le fantôme n'est pas là, les explorateurs dansent. Ouais, non, sauf que là, ça vaut pas le coup. Vu la configuration de mort. C'est même pas la peine. Ça en vaut pas la chandelle. Yo. J'ai vu comment les chouilles. La léchouille qui donne une vie. Ah, qu'est-ce que c'est en bas? Merde, c'est un hôtel sacrificiel. De Kali. La déesse Kali avec un K. Pas avec un C comme le chanteur. Tiens, hop, le serpent il est mort. J'étais le serpent crasher. Retourne pas mini mort, ouais. Ah, je refuse pas du bijou. Qui vaut 2500, je crois, non? Non, 1200. Je. Voilà. Oh, dommage, l'inflation est pas passée par là. Pourquoi? Ah! Vous m'intéressez, monsieur le vendeur. Vous m'intéressez. Ah! Je partais pessimiste pour la jarre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, in the morning. Alors, attends, comment je rejoins la blonde si... Non, mais... Je peux pas poser de bombe chez lui parce qu'il va le prendre pour une agression, alors... Je vais l'avoir dans le cululu. Ouais, je veux bien la boussole, ça peut aider. Ouais, bah voilà. Papy fait de la résistance. Oh, Papy fait de la résistance. Vous saurez que dedans, il y a ma scène que j'adore avec Jacques Villeray, je crois. Je sais plus, je retiens plus les noms. Toi non plus, tu n'as pas changé. L'officier qui... Oh là là. J'adore cette scène. Je sais pas, j'ai... Sans déconner, je l'ai peut-être visionné 100 fois. Mais quand il chante « Toi non plus, tu n'as pas changé !» C'est génial. C'est du génie. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es toujours resté celle que j'aimais. Ah, merde, il y a du matos, ça me plaît, moi. J'ai pris du risque. Tant pis, le scorpion qui est... Oh, il y a l'âge. Tu nages. Oh, le marchand qui vend des choses qui me plaisent. Oh, c'est quoi, ça? Je sais plus. Ah, c'est un flingue. J'ai gagné le pistolet de la muerte. Et
pistolet de la moitié. Je vais tous l'être chez Dai. Ah, non. Bah oui, forcément, je vais pas descendre par là. Merde. Ah oui, ça les laisse de glace. Yo les mobs. Comment ça? Non, j'ai pas cette une. Tu paieras pour tous les autres. J'attends qu'il se réveille et bam! Deuxième effet qui se coule. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas. Merde, il m'a fait mal. C'est que je peux pas le pousser. J'aurais adoré. Excellent. Jacques Villeray, oui, merci. Ah, je suis deg, j'ai pas assez de thunes pour la bombe. Ah, tant pis, je suis dégoûté, mais tant pis. Mais... Ah, merci. Oh, merde, il y a le pitcher. Oh, puis il est juste à côté. Vite. Tant pis pour le flingue. Non, mais... Oh non, mais je laisse mourir, là. La double peine, le crachat du cobra. Le je sais plus quoi là, de la chauve-souris de la moitié qui m'aligne derrière, j'ai perdu deux vies en 2 secondes. C'est abject. Ça m'a totalement découragé, c'est honteux. Ah, oula, il y a une concentration d'ennemis là, ça fait peur. Non, ça vaut pas le coup. C'est pas pour 3 lingots d'or que je vais aller dans ce... Hein, dans ce bourbier. On va appeler ça comme ça. Ah, le... Voilà. Alors après... Non, je pense pas que ça vaille le coup. Je sais pas où est la blonde, je m'interroge, je suis perdu. Ah, là j'ai de la thune. Merdoum! Qui est quoi, qui est où? Je ne comprends plus. Là je vais faire péter là pour. Merde, c'était l'autre case où je vais mettre la blonde, mais tant pis. Encore que là je vais plutôt bien péter, c'est pas plus mal, je vais pas m'en plaindre. Merde, chauve-souris de Céwen. Puis il y a l'autre dans l'autre sens, évidemment. Évidemment. La sortie, la blonde est là. Ah, ça me plaît, ça. Corail de fouillon. Ah, my God. Mais non, mais... La blonde, elle est morte avec ça. Eh oui, puis évidemment, le lancer de cailloux marche pas. Ah, pauvre blonde. Bon, j'entends des bruits. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. J'ai regardé mon téléphone, j'aurais jamais dû. Pardon, je me permets, je devrais pas parce qu'en plus je suis perdant dans le jeu, le fantôme arrive. Non, j'ai toujours pas de message. Bon, je sais pas ce que fait la famille, mais... Oh, un diamant! Oh, ne me dis pas que... Le fantôme qui touche des diadèmes, ça donne des diamants. Attendez, faut que je vérifie cette théorie folle. Aïe. Non. Non, on pourra pas la vérifier maintenant. Erreur stratégique mortelle. Je savais pas, c'est la première fois que je vois ça. Au départ, je suis dégoûté. Ah,
C'est déjà plus accueillant. Déjà plus accueillant. Dans tes dents. C'est plus accueillant. Oh, le pauvre Blondinet. Le beau gosse. Je peux dire que j'ai allumé le beau gosse. Non, non, j'ai laissé le caillou, c'est dangereux. Parce que ça devient projectile. Ça a encore une erreur de ma part. Ah. Oh. Oh, le liquid bomb. Ah. Donc hop, la bombe est sauvée, j'ai une vie en plus pour le prochain. Hop, 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 hop. Je crois pas. Je crois pas au côté. Merde, la bande est morte. Oh non, je pense à des pouilles, ça compte. Non. Oh, oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est mon dernier essai. Puis après, je sais pas depuis combien de temps je joue à Spin Lucky. J'ai plus les horloges, mais bon. Je suis pas. Vous avez vu, hein, je suis pas top performance. Excepté, voilà, l'honneur est sauf, j'ai fait une fois la jungle et j'en suis ravi. Parfois je mets beaucoup plus de temps, je mets plus d'une heure à l'atteindre. Et voilà, j'ai eu du bol et j'en... voilà. Ah, en bas ça me plaît. Ah oui, ça me plaît beaucoup ce qu'ils vendent. Ah merde! J'espère que non, il n'y a pas de pic. Il peut descendre, monsieur Blondinet. Monsieur Bogosh, il peut descendre. Il n'y a pas de whisk. Villain bait. Non, là, il n'y a rien. Ça ne vaut pas le coup. Alors. T'as l'autre va me dire que j'ai pas la thune. Ah, ah bah tiens. Et peut-être les... Ah mais non, généralement c'est 10 000 les grosses boîtes. Ils me donnent 9990. Non mais... Merci. Et c'est là où le jeu va me dire nope, il vous faut 11 000. Je la sens bien. Vous la voyez venir, l'inflation du prix de la boîte à 11 000. Ça va, j'ai rien dit. J'ai été mauvaise langue. Bon, le Blondinet là. Mon assurance vie pour la suite. On se barre. On n'a plus rien à faire ici. Voilà. Là, je dépose gentiment le Blondinet. Et vous remarquerez aussi l'importance dans quel sens on le dépose. Regardez mon sourire. Pas forcé du tout. C'est horrible. Oh. 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 Allez vous faire papaouter. Vous êtes abject. Oh. Oh. Stade de maison en plus qui garde le chien. Vous devriez avoir honte, esclavagiste. Oula. Oulala. Là. Je me suis mis dans une fâcheuse posture et je me réjouis que ce soit bien terminé. Non, 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 non. Oh joli. Oh magnifique. Pourvu que je continue à avoir de la chance et de la un peu de maîtrise. J'entends la blonde. Où est-elle? J'ai entendu la blonde. Oula.
Oulala. Nope. Non, ça sent pas bon. Voilà, on va faire comme ça déjà. Ah, la pas du gain. J'ai entendu la blonde, mais je ne la vois pas. Alors, c'est une blonde bonus, mais en fait... Alors, à chaque léchouille, si tu veux, celle qui est en vente, c'est... En fait, le vendeur devient macro, parce que c'est de la prostitution. J'achète les léchouilles ou les bises. C'est-à-dire que j'achète autant de vie. Hein. Mais c'est 8000, je crois. Donc, tu te ruines. C'est stratégiquement, c'est intéressant. Comment veux-tu que je passe un truc pareil, moi, sans me faire mordre? Vraiment. Et je perds une bombe bêtement. Ouais, bah, tiens, je vais passer par là, puis basta. Voilà, là, je chute de haut, j'ai le temps de me retourner. Misère. Non! Le jeu ira se faire en papaouté. Bon, on entendait la blonde, le chien, tant pis. Hein. Moi, je me barre, merci, j'ai dit bombe. 5 vies. On va peut-être revoir la jungle. On va peut-être revoir la jungle. Chakalaka boom. Le problème, c'est qu'il y a des choses intéressantes par ici. Putain, je le crois pas. Le cobra qui a esquivé les... Ça me rend fou. La clé qui aurait été intéressante, dommage. En haut, il y a quoi? Ouais, il y a des coffres à thunes, mais... Oh là là. Oh, cette configuration de mort. Oh, puis la chauve-souris qui va aller se faire en papaouté, moi je vous le dis. Toujours regarder en bas avant de sauter. Si près du but. Nope. On était très très loin du but. Eh ben, reste pas planté là! Violence! Oh là là, allez hop, Alt F4. J'étais très vilain. Bonne muscu, le baron! A plus, Zoubi! Bonne muscu à toi! Le marché a augmenté à cause de l'inflation, ouais, ouais. Non, mais c'est ça en plus, Torota. C'est-à-dire que plus t'avances dans les niveaux, plus tu descends dans la mine, plus les tarifs augmentent. Donc les boîtes de 12 bombes, ça passe de 10 000 à 11 000 à 12 000 jusqu'à je sais pas combien. Je suis pas allé voir au-delà. Ah, j'ai failli l'avoir, merde, con, j'y ai pas cru. Brr. Elle me tue, je te mite, elle me tue. Bon, bref. Vote. Tu. Comment ça, tu, bon, tu. Je m'entends en double. Non, je vais faire un vote. Bon. Canaillot de mythe. J'aimerais l'assommer sans lui faire vraiment bobo, mais... Ouais, je pense que je l'ai assommé. Au moins, elle se tiendra KO pour aujourd'hui. Alors, petit vote rapide, 3 minutes. La suite, point d'interrogation. Alors, est-ce que ça vous dit... Évidemment, les productions que je vous fais me plaisent tous, hein. Je suis pas mazo. Soit du Stardew Valley, on continue les histoires de Samantha à la ferme. Ou alors je continue mon solo de Flat Out 1. Tiens, d'ailleurs, je vais préciser solo. De Flat Out 1. Est-ce qu'il y a un autre jeu qui me plairait? Là, tout de suite, bof. J'ai rien qui me vient en tête, qui me ferait délirer. Attendez voir que je regarde rapidement mon Steam, honteusement. Montusement, golf, machin, flat out, peut-être que je connais pas. Arx Fatalis demain. Je le vois plutôt demain, Arx Fatalis. Encore que. Non, demain, Arx Fatalis. Stardoulet, Starband, Inca Block, machin. Oui, non, entre ces deux-là.
Encore que... Enfin, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'Arx Fatalis, il n'y a pas... Je vous laisse comme le choix. Parce que je vous l'ai énoncé. Mais il n'y a pas Olive qui tue. Et Olive qui tue, elle aime bien me voir en direct sur Arx Fatalis. Que je fais plutôt le dimanche en ce moment, mais bon. Choisissez ce que vous voulez, après tout. Tout me plaît. Gros bisous à Olive qui tue, parce que... Elle est épuisée, là. Depuis la rentrée de septembre, elle est rincée, Olive. Elle bosse, et elle se tue à la tâche, en fait. Donc, gros bisous à elle, bon rétablissement. J'espère qu'elle arrive à se faire plaisir. Je plaide coupable. Je vais changer de vue et je veux tout de suite voir ce que m'a donné Erika en lien. C'est quoi le poisson de la fourtière de je sais pas quoi? Tourtière du... Mais, ah, bon. Tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh là là! Porc en petit cube. Bœuf en petit cube. Oh, du veau. De la poitrine de poulet. Oh, ce carnage délicieux. Du bouillon de bœuf, un peu de lait. Ben, je connais pas du tout, dis donc. Ah, je connais pas du tout. T'as la vache. Ah. Oh, la tourtière du lac. Je comprends pourquoi elle aime bien, Lilon et Miam. Mickey. On va dire Mickey à Erika. Mickey. Délicieux, ça. C'est délicieux. Alors, Minecraft... j'étais pas chaud pour du Minecraft Torota. J'aime bien, j'ai aucun vote. Bah, si j'ai vraiment aucun vote dans les trois, si t'es partant pour du Minecraft et puis je joue de la vocale, ouais. Mais je vous préviens, hein, Minecraft, ça va être un peu cucu la praline. Dans le sens où je vais continuer ma voie de garage, j'allais dire, un peu de ça. Je vais tracer une ligne de train dans notre carte. Ah, quelqu'un veut du Arx Fatalis. Minecraft, je m'y remets un peu en semaine. Ah bah, j'ai deux votes Arx Fatalis. Bon bah alors... Loupé, Torota, désolé. Mais... Ouais, je sais pas, il faudrait peut-être que j'organise... Bah, je reverrai avec toi en MP Discord pour du Minecraft, Torota, entre autres choses. Ah, pareil, il y a Nayone, il faut que je lui fasse la proposition de date pour la prochaine promenade. Même s'il m'a dit ce matin, ah ouais, mais maintenant il fait froid. Au moins, je lui laisserai une proposition pour peu qu'on ait encore un coup de bol météo. Bon, Arx Fatalis, 3 votes à 0. Eh ben, c'est parti pour Arx Vatalis. J'ai bu brunonzé. Je voulais faire un hommage à je sais plus qui. Alors, Olive Kitu, je peux pas parce qu'elle a arrêté de diffuser pour le moment. C'est plus sa cam. J'espère que ça reviendra parce que j'adorais quand elle gueulait, elle pestait dans Skyrim. C'était trop drôle. Sur la gamine, enfin bref, allez voir sa chaîne YouTube. Tiens, Olive qui tue, vous saurez, elle a une chaîne YouTube. Je peux faire la pub Dragon Sky si vous voulez. Pour les rares ici qui connaîtraient pas Dragon Sky, qui fait un peu tous les jeux, il fait des jeux assez rares, il aime bien les RPG japonais. Je trouve qu'il s'en fait presque une spécialité à Dragon Sky. Et vous avez, on peut faire la pub, donc je disais tout à l'heure, à Olive qui tue. Mais Olive qui tue, je vous invite plutôt à trouver son comment ça s'appelle, sa chaîne YouTube. Voilà, voilà. Non, mais c'est normal, je t'en prie, Dragon Sky. J'aime bien vous mettre en lumière à tour de rôle. Clac, 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 j'adore ça. Et comme j'ai vu qu'il y en a qui regardent mes rediffs, ne serait-ce que Twitch, parfois je vois au niveau des compteurs, vous me surprenez. Du coup, je sais que ce qu'il y a dans le chat, il y en a qui leur lisent et qui voient les liens et qui cliquent. Donc c'est cool, je suis ravi de pouvoir vous mettre en connexion les uns les autres. Donc vous avez fait le choix de Arx Fatalis. Ok.
On va continuer l'aventure entre les gobelins, les trolls et tout ce que vous voulez. Et puis la crypte où je les ai là. Voilà. Et mon cerveau me dit de déclarer Arx Fatalis. Ok, c'est pas...